C'est génial, la police manifeste avec nous. Merci la police. Comme ça. Non, mais ça se fait pas, hein. C'est pas honnête, hein. Je vais lui dire à Jérôme. Thank you.
Eh Jérôme, on peut sortir, moi je veux pas rester me faire gazer, hein. Je veux pas rester me faire gazer, on est enfermé là. Ouais, mais c'est malhonnête en fait, quoi. On recule sur tu vois ce que je veux dire, on peut pas sortir, quoi. Allez où après? Moi, on peut boire un verre, tu sais, je vais rester à la manie, hein. T'es là. Mais je suis là et je veux sortir. Enlever des manifestants. Parce que moi je suis pas là pour me faire gazer, je suis venu pour fumer. La vraie chanson française en qui on avait confiance. Et on entend de la patrie le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, et dans l'ensemble enterré, et dans l'ensemble enterré. Entendez-vous dans nos campagnes, cette féroce sonore. Traquer des gens dans les centres-villes, les gazer vers les seuls choix d'échappatoire. C'est vous les racailles, c'est vous les agresseurs. C'est évident, heureusement qu'il y a des médias qui sont là. Merci à France 3 et même merci au Midi Libre. Merci à la Lune du Pape aussi. Est-ce que vous avez pensé tout ce que vous dites est totalement absurde. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là-bas, on n'a aucun choix. C'est vous qui suscitez la violence. Quand on bloque des gens comme ça et qu'on les agresse sans leur laisser le choix, et bien forcément ça finit mal et c'est vous les responsables. En tout cas, ceux qui vous donnent ces ordres-là, qui sont totalement absurdes, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi avec ça. La République, elle est en face de vous, elle n'est pas au-dessus de vous. Au-dessus de vous, c'est au-dessus. Il n'en a rien à foutre de vous, vous êtes juste des
position, les gars. Même si vous avez du glyphosate dans vos veines, bordel de merde. Vous êtes même pas capable de vous battre contre une élite qui est en train de vous empoisonner, vous et vos enfants. Vous êtes du mauvais côté de la barrière. Alors s'il y en a un qui reste encore un peu de courage, venez nous expliquer la logique de votre dispositif aujourd'hui. À part traquer les gens dans les centres-villes, leur laisser une échappatoire et leur regarder se faire gazer. C'est pour ça qu'on vous paye avec nos impôts. C'est ça votre plaisir du week-end. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte, bordel? Vous, là, monsieur, vous voulez bien nous expliquer votre dispositif aujourd'hui? Allez-y, je vous tends le micro. Je vous tends le micro en toute bonne volonté. Hein. On veut juste comprendre ce que fait la police, en fait. Puisque c'est si logique que ça, venez l'expliquer aux médias, votre dispositif. Venez l'expliquer aux médias, votre dispositif. Puisqu'il a été réfléchi par des personnes qui font des écoles de police. Alors peut-être que c'est trop subtil pour nous et qu'on ne comprend pas, en fait. C'est comme la politique de Macron. Thank you.
Ouais, tu es où? Voilà, gars. Voilà, l'arme fatale. L'arme fatale. Il y a des poubelles encore à ramasser. Hein, c'est dans le monde. Il y a rien à faire. Ramasse les poubelles. L'arme fatale. Ramasse les poubelles. Et après, ils disent, vous n'avez pas de signe de revendication, vous n'avez plus de banderole, vous n'avez plus rien. En même temps. Non, c'est le peuple qui souffre. Attention, attention, c'est une arme importante que t'as là, hein. Non, mais... tu vas te la faire enlever. Hein. La dernière fois. Mais attention, ton téléphone. C'est dangereux. Même mon sac. C'est le corps de métier. Tout le monde. Allez, on s'assoit. Mais merci, ils vont changer. On la connaisse, eux. J'ai une dérogation du 11-90-991. Il m'a dit c'est bon, tu peux y aller, tu dis de ma part. Je vais essayer. Genre le monsieur m'a dit là-bas, le numéro 1190-991, m'a dit qu'on pouvait remonter par la Comédie. Sur le côté, monsieur. Sur le côté, là? C'est vrai? Merci. Là? Ici, là? Ah, vous me laissez passer? C'est le 1190-991, il m'a dit qu'on pouvait passer, qu'on pouvait remonter sur la Comédie. Et là, il me dit que oui. Oui ou non? Comment? Parce que je veux sortir. Moi, j'ai pas envie de prendre de l'eau ni me faire gazer, en fait. Je suis pas là pour ça. Je veux partir de la manifestation, là. Une sortie officielle. Mais la sortie, elle va se faire direction de la gare. Mais non, il vient de me dire le contraire. J'en viens d'en bas. C'est le 11-90-991 qui m'a dit ça. Si, en jeu d'identité, vous pouvez sortir. Ouais, j'ai mon identité, s'il vous plaît. C'est là-bas que ça va. Ah ouais, mais il vient de m'envoyer là. Sérieux. Attends, excusez-moi. C'est vous qui m'avez dit qu'on pouvait passer par là, non? Je sais plus. Ah non, on vous l'a dit, moi je vous l'ai dit, si les accès se font, c'est sur le côté, mais normalement l'évacuation c'est vers la gare. Mais là, ils viennent de m'envoyer là-bas. Ah écoutez, je sais pas. Oh putain, vous voulez pas me laisser passer, sérieusement? Je vous donne ma pièce d'identité, non, tout ça. Non, mais c'est pas moi, les relevés d'identité se font en bas. J'ai pas envie de me prendre de l'eau, hein, sérieux. Mais moi non plus, on passe pas. C'est dommage pour cet été parce qu'ils ont eu trop chaud et nous on était. Est-ce que quelqu'un veut bien me laisser sortir, s'il vous plaît? Comment ça se fait, en fait, là? Hein? Là, mais, imaginez, on vous dit, allez vous jeter, vous jetez. Ah, mais là, vous voyez bien que c'est plus légitime, quand même. Ah ouais, mais les autres, ils n'entendent pas. Du haut de leur château, là. C'est la fin de l'état de droit. Hein. Ah ben là, oui, on va pas faire ça. Ça va, c'était bien la soirée? Ouais, super, hein, écoute. Le droit de manifester. Les videurs sont sympas. C'est fou, hein. Là, non, on y va. Mais moi, j'en vous en veux pas. Hein. Je sais que vous obéissez aux ordres.
D'ailleurs, il y a un de vos collègues, j'ai dit, mais si les ordres, c'est aller vous jeter, il me dit, oui, là. Désolé, hein. Ah, une bonne qualité. Ça craint, non, mais là, en ce moment, ouais. Non, mais tout craint, le gouvernement, mais bon, bref, moi, j'ai jamais... Ouais, bah ouais. Ah, si, vous filmez, monsieur. Ah. Vous filmez. Ah, mais moi, c'est mon boulot, mais en fait, ça craint pas. Pas trop le dispositif, ils expliquent qu'ils peuvent nous sortir sous condition qu'on montre nos sacs, et je sais pas s'il y aura un contrôle d'identité pour tout le monde. C'est un peu dur à comprendre leur logique aujourd'hui, parce qu'on bloque le tram, c'est pas malin pour eux, c'est bon pour personne là, ce qui se passe. Ouais. Moi j'ai fait 50 premiers mai, j'ai jamais vécu le 1er mai que j'ai vécu à Paris cette année. Et vous avez plus de raisons que nous, que certains d'entre nous, de vous mobiliser. Ah, c'est fou quand même. Lâchez-le ce Macron. Là. Il fout le pays à terre et vous cautionnez ça, c'est... Enlevez vos casques, baissez et vous allez voir. Oui, monsieur, tout va aller. Allez exprimer ça ailleurs. Ouais, mais je l'exprime dans d'autres tribunes, hein. C'est un peu pas pour moi. Mais c'est bien. Là, vous n'intéressez personne. C'est bien, ouais, mais je vous intéresse vous, parce que ça fait plusieurs fois que vous m'interpellez là. Donc laissez-moi parler dans le vide et puis répondez pas. Ça me fait du bien de le dire. C'est la com là. Hein? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils vont nasser la com. Tu les as... Attends, je vais voir vite fait, je reviens. Vous restez par là.
C'est la pluie, elle est pompée. Je sors de Nasse là, moi. Ben là-bas, ils sont nassés. On commence à peine la manif, quoi, tu te fais nasser. Ça sert plus à rien de venir en manif. Hein. En plus, je me sens pas. On se sent pas utile en fait. Bon, vous faites votre boulot, mais. Moi, à moitié.